Coucou YouTube, je viens ici pour une game masterclass. Je tombe avec un gars un peu dépressif, ça a l'air de pas bien aller. Suite au conseil de Moussa, je lui conseille de se mettre deux phalanges dans le cul. Est-ce qu'il va suivre le conseil? Vous allez le découvrir dans cette vidéo. Bon visionnage et pensez à liker si vous avez rigolé. Bisous. C'était insane comme réaction. Quand il est passé au-dessus, j'ai compris que j'avais pas le temps de mettre un flickshot propre. J'ai balancé le noscope, tu vois, en mode... Vas-y. Oh, je peux... vous pouvez clipper ça, les gars. C'est légendaire comme action. Genre, c'est le genre de shot, t'en vois pas tous les jours. Hein. Salut. Mais des Français? Ouais. Je suis mort. Il a 1 HP le mec. Je vais essayer de survivre surtout. Bon, 6 secondes, ça devrait le faire. C'est marrant, il s'appelle Waza le mec en face. Il a essayé de me paralyser. T'es bien là? Ouais, ça va, y'a du monde dans le grand bas central. J'ai réglé mon côté. Ça fait longtemps que tu joues? Sur Warzone? Ouais. Ouais, un peu. Pas depuis le confinement. T'as quel âge? 23. Ah, okay. Malheureusement. Pourquoi malheureusement? T'aimerais en avoir 40? Non, non, mais ça passe quoi. Pourquoi t'es pas content d'avoir 23? 33, j'ai dit. Ah et ouais, oui. Ah bah t'es plus près de la fin que du début, je comprends. C'est ça. Désolé, je les knock. Je monte pour revive. Il a l'air au fond, les gars. Au pire, je vais me reprendre une autoréa. Faut que je lui sorte une blague. Tu viens d'où en France? L'Île-de-France. Putain, je me foutrais en l'air à sa place. Ah, trop bien. Et toi? Là, je suis à Montpellier. Oh, c'est cool, Montpellier. Ah, de ouf, mec, hein, il fait super beau et tout. Blague de Toto. Eh, j'ai une super blague, frérot. Genre, c'est un collègue qui me l'a fait. Ok. La maîtresse de Toto lui demande quel est le passé de je baille. Je baillais et le futur. Ouais. Tu sais ce que c'est? Non. Je dors. T'as compris? Ouais, ouais. Ah, ok. Mon objectif, ça va être de le faire rire, les gars. Je m'en bats les couilles. Tu bosses, toi, ou pas? Ouais, ouais. Ça fait quoi? De bosser? Et tu m'as pris pour le FC chômage, là? Il rigole, écoutez! Bah, je travaille dans l'automobile. Ah, nice. T'es chez la Peugeot ou quoi? Ouais, ouais, tout ce qui est Peugeot, Citroën. La dernière Peugeot dans laquelle je suis monté, je crois que c'était une 406 coupée, frérot. Y'a des mecs là-bas. 406 coupée? Oh, ouais, trop, elle est bien. Eh, c'était super bien. Hein. Ouais, puis elle a bien vieilli, tu vois. En style, ouais. Elle est toujours belle. C'est vrai. Elle est bonne, genre. Comme ma cousine, frérot, elle est giga bonne. Ah, je sais pas, je l'ai pas conduite. De quoi, ma cousine? Bye. Ouais, peut-être bientôt. Hein. Bah, en plus, je vais à Montpellier. C'est vrai? Et moi, quand j'ai un ami, je lui file tout. Hein. Ah, il est là. Pour deux, l'autre il est à 10 mètres. Non, frère! Non! Non! Je suis dépité, il m'a intercepté, frérot, comme. Faut que t'interceptes du shit ou je sais pas, tu vois.
Ouais, dommage, moi j'étais pas bon. Tu veux qu'on s'en refasse une ou quoi? Bon, si tu veux. J'ai l'impression qu'il veut bien ken ma cousine, les gars. Donc, là, je suis comme Cyril Choquet. Je sens que le poisson est mordi, tu vois. Oh, Natacha? Ouais, je suis avec un gars, là, il aimerait bien te défoncer. Ah. Eh, Véro? Ouais. Bah, dis pas non. Mais après, en même temps, elle dit non à rien. Alors, on a tous cette cousine qui dit jamais non. Ah, ouais. Ah, un hélicoptère sur nous! Vous avez vous aussi cette cousine qui dit jamais non? C'est quoi? Non, non. Je prends peut-être la cible. Genre que... Je connais même pas mes cousines, moi. Malheureusement. Ouais, je l'ai trouvé, frérot. Ouais, je... J'ai l'impression qu'il y a d'autres personnes sur moi. Ouais. Les mecs au sud-ouest, là. Ils sont morts, poulet, sur moi. Et du coup, pour qu'est-ce que tu viens foutre à Montpellier? Faire du VTT. Mais non. C'est trop cool, ça. J'en fais un peu, VTT. Moi aussi. Du VTT? Ouais. Plutôt descente ou plutôt... Oh. Ouais, descente. Il y a un château pas loin de chez moi avec une grande forêt. On le descend souvent. C'est super intéressant. Le château du Camajou, peut-être que tu connais. Non, je connais pas, du coup. Je... Ouais, ça existe pas. Pourtant, c'est logique. Ok. Eh ben super sympa, t'as de la bonne descente et tout, et, bonne sensation, ça glisse quoi. Ouais, bah ouais. Je me doute, j'ai déjà fait un peu le rôle de mesure. T'as quoi, cadre alu, magnésium? Alu, comme une salle. Ah super ça. J'y connais rien. Putain, j'ai pas vu le gaz. Je sais que t'es là. Sinon, je l'ai intercepté, poulet. Ah, j'en ai pas fait depuis longtemps. Là. La dernière descente qu'on avait fait, on avait trop fumé avec le collègue et il s'est fait mal, donc on n'y est pas retourné. Ouais, bah, je me suis fait avec la véhicule il y a un an. Ah putain, t'avais trop fumé aussi. Non. Ah oui, ah, juste tu t'es vautré. Ouais, comme une merde. Ah. Ah, ça arrive. Ah, nous on avait pris du shit gras comme de l'huile d'olive, tu vois. Pff, laisse tomber. Bon shit, sa mère! Tu veux du shit? Eh, hey, qualité bretonne! Nos régions du talent, ma gueule! T'en veux une? Franchement, c'est pas l'étage. Tu es puissant. Et d'où, hein? Ça vient de au-dessus là. Il y a deux snipes sur le. Non. Ce serait passé, je crois. Pourquoi tu as fait ça? Arrive dans les escalons. T'as vu avec quelle arme je suis en train de jouer? Ouais, elle est explosive. Ouais. C'est grave stylé, c'est super fort, j'ai 14 kills. T'as rien à faire, la flèche elle va tout seul dessus. En FPS, je joue plus à R6. Ah, c'est sympa. Tu suis un peu les équipes e-sport? Ouais, sur R6, ouais. Ouais, moi je suis pour BDS à fond, frérot. Ouais, c'est clair que c'est pas mal, mais bon, malheureusement, à chaque fois, ils se foirent un peu sur les gros événements. Quoi. Je lui ai sauté dessus, poulet. Je l'ai tué. L'autre jour, je suis allé voir un marabout, je sais pas si t'as déjà allé voir un. Allé voir quoi? Un marabout, tu sais, c'est les mecs avec les pattes de poulet, et ils te racontent un peu ce qui va se passer, tout ça et tout, ton avenir. J'étais genre super sceptique et en fait, c'est grave intéressant. Ouais. Pas trop convaincu, moi. Bah, je te raconterai peut-être ça une autre fois, genre c'est plutôt personnel, mais genre il m'a beaucoup aidé.
J'avais une sorte de bah, tu sais quoi, au pire on est sur internet, je m'en fous, je te raconte. Genre j'avais une sorte de blocage et tout. Et il m'a dit ouais, je devais juste sortir, faire des efforts et tout. Et dans un lieu public, tu vois, où genre je vais aux toilettes. Il m'a dit de me rentrer la... deux phalanges du petit doigt dans le cul, tu vois. Et parce que apparemment ça ferait un déblocage et tout. Et ben, j'étais giga sceptique et au final je l'ai fait, je me sens trop mieux, je me sens grave mieux, tu vois. Tant mieux. Ouais, merci. C'est le résultat qui compte. Ouais, mais exactement. Heureusement que je me sens bien, quoi. Ah ben, si tu peux éviter de faire ça, ben, tu m'étonnes, c'est mieux. Tu vois, comme ça, s'il veut m'en parler, que ça va pas, et je viens de lui dire quelque chose de tellement affreux que ben, balance des frappes, il est obligé de me parler limite de son histoire. Bah, ils vont sortir, là. Il y en a un qui sort à gauche. Là, derrière le truc, là. Et à ta gauche. Ok, super info. Je crois qu'il est caché dans le petit bordel, là. Eh, hey, est-ce que lui? Ah oui, c'est... il est au sol. C'est légal ce qui vient de se passer là? Mon gars, t'es un monstre. Non. Pourquoi est-ce que j'ai un temps de réaction qui est quasi à zéro? Comment c'est possible? N'importe quoi! Je suis trop bon! Je suis juste trop bon! Je suis le meilleur! Bien joué, poulet. Ouais, je vais bouffer. Ouais, vas-y, bah, je vais aller bosser moi. On se recapture une autre fois? Yes. Vas-y, prends soin de toi et si tu viens à Montpellier, t'envoies un petit message sur Activision là ou quoi? Vas-y, pas de soucis. Allez, salut mec. Salut.